Alors tu dois organiser une fête, hein, tu as envie d'organiser une fête et puis comme tout le monde, tu sais très bien que pour que ta fête soit réussie, il faut que tu aies un certain nombre de singes. Alors voilà, ça tout le monde le sait. Donc euh, là, j'ai placé, il y a 10 singes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, tu as déjà 10 singes. Mais en fait, pour ta fête, pour que ta fête soit réussie, il faut que tu aies 18 singes. Alors la question que tu te poses, c'est combien de singes tu dois ajouter hein, Combien tu dois de, ajouter de singes en plus pour en avoir 18 Alors, on va commencer par euh, se rappeler de ce que ça veut dire 18. Hein. 18, c'est un nombre qui est qu'on écrit comme ça, un 1 avec un 8. Voilà. Alors ça, souviens-toi, ici, ce 1, ce 1, il occupe la place des dizaines. C'est la place des dizaines. Et le 8 qui est là, il occupe la place, lui, des unités. Voilà. Alors là on va du coup réécrire ça un peu différemment. En fait, quand, quand je dis 18, c'est j'ai une dizaine et huit unités. Alors une dizaine, bon, je vais l'écrire. Une dizaine c'est tout simplement 10. Hein. Donc là j'ai écrit cette dizaine qui est là. Hein. Et puis il faut que je rajoute aussi mes huit unités qui sont ici. Donc je vais les faire en rouge. Donc 18, c'est une dizaine et 8 unités, donc je peux écrire ça comme ça, c'est 10 plus 8. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus simple maintenant à comprendre parce que là, j'ai déjà 10 singes, donc c'est ces 10 que j'ai déjà en fait. Hein. Et il faut que du coup, j'en rajoute un certain nombre, et ce certain nombre, bah, c'est celui qui est ici, c'est 8. Alors ce que je vais faire en fait pour, pour que tu comprennes bien ça, je vais, je vais copier un singe. Voilà. Et puis je vais le coller. Alors j'en colle 1. Je vais le placer ici. Donc là, j'ai rajouté un singe. J'en rajoute un deuxième. Deux singes, en plus. Trois singes. Quatre singes. Cinq singes. Six singes. Sept singes. Et puis huit singes. Voilà. Alors, je compte. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en tout, effectivement, j ai, j ai, comme j'avais 10 singes et que j'en ai rajouté 8, d'après ce que je vois ici, finalement, j'ai 18. Hein. J'en ai 10 plus 8, c'est-à-dire 18. Alors on va quand même, pour vraiment être sûr de bien comprendre, en fait, quand je dis 10, là j'ai mes 10 singes, donc je vais les encadrer comme ça en, en jaune. Ça, c'est 10 singes. Donc 10 singes, c'est une dizaine de singes, donc c'est 10. Je l'écris comme ça. Et puis, c'est bien ça, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc j'ai une dizaine, donc c'est 10 que j'écris ici. Et puis là, ben je peux compter, hein, j'ai un singe, deux singes, trois singes, quatre singes, cinq singes, six singes, sept singes, huit singes. Donc en fait, ce que j'ai fait quand j'ai rajouté tous ces singes-là, j'en ai ajouté 8, donc j'ai plus 8. Et puis là, ben ce qu'on voit, c'est que le résultat... Je vais le faire en vert. Le résultat c'est 10 plus 8, ça fait 18. Je vais l'écrire comme ça, donc 1 et 8. Voilà, et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Hein. 10 plus 8, on a d'abord pris un groupe de 10 singes et ensuite on a rajouté 8 singes pour faire 18. Donc la question qu'on se posait tout à l'heure, combien il fallait de rajouter de singes, ben, c'est 8.